Bonsoir. Une envie de fabriquer un violon. J'aime beaucoup le son du violon, donc je me disais que si je pouvais fabriquer un violon, ce serait pas mal. Donc je me suis modélisé ces deux violons aujourd'hui. Et bien sûr électrique, hein. Vous pouvez le voir, hein, celle de la caisse profilée, donc en érable certainement. Pour l'instant, je vais faire avec une touche et un manche déjà acheté, enfin déjà fabriqué. Ça, c'est le cordier va être fabriqué et le bridge va être fabriqué. Donc, je mets sur les cordes, je vais pas m'amuser à les faire. Il me reste à faire le bouton, même pas. Je crois que le bouton est fourni avec le kit. Voilà. Et puis, ben, je sais pas par lequel commencer. Je vais peut-être commencer par. J'aime bien celui-là, le blanc. Il est plus simple, il est plus, je sais pas, plus light, plus fun. Et puis je vois très bien comment le faire avec la CNC pour arriver à le sculpter proprement. Donc voilà. Moi j'ai la partie blanche à faire, hein. Après à fignoler parce que je sais pas trop comment je vais faire. Mon problème c'est que j'ai pas beaucoup de coups. Et comme j'ai un petit coup, j'ai du mal à pincer le violon et le faire tenir sur mon épaule pour pouvoir déplacer ma main en fait. Ma main gauche sur la touche. Donc, je me suis dit que j'allais me faire un système comme un certain violon qui s'appelle le Viper, qui lui est un système avec sangle. Donc je me rajouterai une sangle attachée ici. Attachée ici, qui va me passer derrière sous le bras droit. Et au-dessus, et venir attacher bien sûr le violon sur mon épaule gauche. Et je mettrai ce qu'ils appellent un shoulder rest, donc un repose-épaule, que je fabriquerai à la demande, et venant s'adapter à cette structure-là. Voilà. Bon, j'aime ça assez, comme ça. J'aime bien le côté mélangé traditionnel, avec sa volute. Ces chevilles de tension, en sachant qu'ici il y aura des micro-tuneurs, donc des micro-tuneurs à vis qui permettent d'affiner la note au plus près. Voilà le futur de travail à l'atelier. Alors, j'ai commencé par le bleu ce matin, enfin cet après-midi, et. Puis je sais pas, je me suis dit non, ça va pas, c'est trop épais. Et alors je me tâte aussi pour savoir si je dois laisser la touche dans le vide ou pas. Ici il y a deux écoles, donc je ne sais pas. Pour l'instant je vais faire, ça va être du prototypage. Je vais voir ce que j'en sors et je vais voir déjà si je sors un son à peu près correct. Je vais utiliser bien sûr un piezo, un micro piezo qui transforme bien sûr toute vibration, toute onde en signal électrique qui repart sur un jack que je peux câbler et donc connecter à la table de mixage. Voilà. Bon, ben, je vous ferai part de l'évolution de ce petit projet qui me plaît bien en fait, parce que c'est pas simple et puis c'est pas très très compliqué non plus, mais voilà. Et puis je vais revenir au plaisir du bois et ça c'est plutôt bien. Et puis je sais pas, imaginez que ça plaise, ça peut être encore un débouché quoi. Voilà. Donc, des pièces à sculpter qui vont être marrantes, là, tu vois. Mais qui vont être très marrantes. En plus, vous voyez, vous pouvez voir, c'est pas plat. Hein. Je l'ai pas fait plat exprès. Donc, j'attends de recevoir cette pièce-là pour être sûr de l'angle. Je l'ai modélisé par rapport à des côtes vues comme ça. Mais c'est pas. Il n'y a rien de très 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 précis. Enfin, logiquement, si, mais les cotes sont bonnes. Maintenant, on reste à vérifier l'angle et tout ça, quoi. Voilà. Bon, ben, c'était tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, au choix. À bientôt.